Esprit, Père grâce, tu confonds les œuvres des ténèbres, tu renverses les forteresses du mal et tu manifestes, Seigneur, ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Comment atteindre l'excellence? Quand on parle d'excellence, on parle de perfection. On parle d'atteindre le dernier niveau. On parle du sommet ou du summum. Quand on parle d'excellence, on parle d'atteindre le niveau qu'on ne peut plus même dépasser. Voilà pourquoi Jésus, en Matthieu 5, verset 48, va dire, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection, c'est l'excellence de Dieu. La perfection. Et Jésus, la parole de Dieu pouvait dire de Jésus, qui n'a jamais commis de péché. La perfection incarnée Christ. La perfection, l'excellence de Dieu incarnée en Jésus-Christ. Oh frère, il y a un seul esprit qui est saint. L'Esprit de Dieu qu'on appelle l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. L'excellence. L'excellence. Comment l'atteindre? Comment atteindre la perfection? Quand Jésus disait, soyez parfait comme votre céleste est parfait, il parlait là de la sanctification, de la pureté de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, des perfections invisibles de Dieu manifestées par sa parole que nous devons recevoir et l'appliquer à notre vie afin de nous identifier à Dieu. C'est de ça que Jésus parlait. Mais l'excellence, la perfection doit être à tous les niveaux de la vie d'un homme, qu'il soit chrétien ou païen. Mais ici, je veux parler de vous, enfants de Dieu. Homme frère. Parce que l'excellence consiste à atteindre le haut niveau. Le haut niveau n'est pas atteint par tout le monde. C'est des personnes ciblées, des personnes mises à part qui arrivent à atteindre le haut niveau. Avoir une qualité parfaite n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut, mais tout le monde ne veut pas. Tout le monde peut atteindre l'excellence, mais tous, c'est une poignée de personnes qui se battent pour atteindre l'excellence. Voilà pourquoi dans la société même des hommes, il y a des gens qui ont atteint l'excellence et qui sont devenus des leaders, qui ont atteint des sommets, qui ont atteint des hauts niveaux où tout le monde ne peut pas atteindre. Et il y a toujours des gens en bas. Sinon, à partir du moment où tu es créé, c'est que tu as appelé à atteindre l'excellence. Maintenant, atteindre l'excellence là dépend de toi-même. Dépend de toi, de ce que tu veux, de ta vision. Est-ce que tu as la vision de l'excellence? Il y a des gens qui veulent vivre avec le peu, se contenter du peu. Il y a des gens qui veulent être toujours à la traîne. C'est sa vision. Si toi tu veux être toujours derrière les gens, c'est ta vision, on ne peut pas t'en vouloir pour ça. Il y a des gens qui veulent toujours avoir un petit maigre salaire là. Il a sa petite maison, il a sa petite famille, vit tranquille, c'est fini, il va à l'église, un point, un temps, il revient à la maison. C'est sa vision. Pour atteindre l'excellence, il faut avoir une vision. Mais quelle est ta vision? C'est à partir de ta vision, de ton projet pour l'avenir, que tu vas te battre ici pour atteindre l'excellence. Il y a des niveaux de la vie, si tu veux atteindre ça, il faut d'abord que tu sois une personne qui atteigne l'excellence. Écoutez, Dieu, premièrement, ce qu'il veut pour son peuple que nous sommes, la volonté de Dieu, premièrement, pour son peuple, c'est l'excellence. Atteindre l'excellence. L'excellence, c'est dans la pureté, dans la justice, dans la vérité. Et l'excellence aussi à tous les niveaux de notre vie, dans notre travail, dans notre ministère et dans tout ce que nous faisons. Il est dit à Deutéronome chapitre 28, verset 13. Voilà la parole de Dieu, on va lire. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de
toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Dieu parle à qui ici? Dieu parle au peuple d'Israël. Dieu parle à ce peuple. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Cette parole est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Et elle sera valable jusqu'à l'éternité. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. La volonté de Dieu pour son peuple, c'est que toi tu sois à la tête. Que le peuple de Dieu soit toujours devant. Que le peuple de Dieu soit toujours à la tête. Que le peuple de Dieu soit toujours en haut. Que le peuple de Dieu ne soit pas toujours derrière. Que le peuple de Dieu soit à la tête et non la queue. Que le peuple de Dieu soit en haut et non en bas. Que le peuple de Dieu soit devant et non derrière. Et comme toi et moi, c'est nous qui formons le peuple de Dieu individuellement. Que chacun de nous devienne une tête en assemblée. Que nous soyons une tête, une force, une puissance. Faut dire amen. Donc la volonté de Dieu est que toi, tu sois la tête et non la queue. Mais il y a des gens qui aiment être toujours la queue. Il y a des gens qui aiment toujours suivre. Eux ne veulent pas être développés, on va les suivre. Il y a des gens qui n'aiment pas être leader. Il y a des gens qui n'aiment pas être des éclaireurs. Ils ne veulent pas être devant pour éclairer les autres. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à être des guideurs, à être des guides. Oh frère, ce que Dieu veut pour son peuple, c'est que son peuple atteigne l'excellence, le haut niveau. Ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour chacun de nous, chaque famille, chaque couple, chaque maison, et que chacun puisse atteindre le haut niveau de l'excellence, le sommet des sommets, le sommet même de ce que nous faisons, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Dieu veut que tu sois le premier. Amen. Dans l'activité que tu entreprends, dans le travail que tu fais, dans le ministère que tu exerces, le Seigneur veut que tu sois la tête et non la queue. Le Seigneur veut que tu sois l'éclaireur. Dans les gombos que tu vends, parmi les vendeuses de gombos, le Seigneur veut que tu sois la patronne des vendeuses de gombos. Pourtant, parmi les vendeuses de piments, Dieu veut que tu sois la première ou le premier des vendeurs de piments. Parmi les vendeurs, ceux qui ont des boutiques, ceux qui ont des magasins, ceux qui ont des entreprises, Dieu veut que tu sois à la tête de tous ceux qui vendent dans des boutiques, dans des magasins. Dieu veut que tu sois à la tête de l'excellence. Quand tu atteins le haut niveau, que tu ne sois pas compté parmi les premiers. Dieu veut que la marque, ta marque de chaussures, ta marque de vêtements, le nom de ta boutique, le nom de ta société, le nom de ton entreprise, ce que tu fais là, ça soit connu partout. Dieu veut que ce que tu fais là est la renommée sur le plan national et international. Il y a des gens qui ne sont pas connus dans leur quartier. Ce que tu fais doit être connu de partout. Amen. Il y a des marques qui sont connues. Amen. Yves Saint Laurent. Gucci. Quelles sont les marques encore? Louis Vuitton. Dior. Dior, tu vois? Zara. Voici des marques qui sont connues. À l'international, partout, tu dis ce nom la lettre là. On sait. Mais nous les chrétiens, enfants de Dieu, qui avons des entreprises, qui avons des sociétés, qui investons dans certaines activités, quelle est notre marque? Qu'est-ce que nous avons fait sur le plan national et international? Parce que ça c'est pour les chrétiens. Ça fait pitié. Même simple bas qu'on n'a pas. Pourtant les églises ont des milliards dans des comptes. Ils peuvent faire des banques chrétiennes, comme nos frères. D'un côté, les musulmans font des banques musulmans islamiques qui les aident en partie construire leur mosquée. Chez nous, il n'y en a pas. Chacun assis dans son coin, tous des vampires. Ils font de la sorcellerie. Surtout nous, les églises évangéliques, protestants évangéliques. Ça, c'est notre problème. C'est nous, on parle d'amour, mais c'est nous, on est les plus mauvais en matière de pouvoir exercer l'amour. Si on veut parler de religion, la religion où les gens les souffrent le plus sur la terre, c'est sur les chrétiens évangéliques. En tout cas, surtout pour l'Afrique. Pour l'Afrique, là, je connais. Pour ailleurs, je connais. Mais pour l'Afrique, ici. Si tu veux voir dans une religion où les gens souffrent le plus, va chez les chrétiens, chez les évangéliques, protestants, va chez eux là-bas. Sinon, on est les plus pauvres.
Mais il y a plus de veuves, il y a plus d'orphelins, ils n'ont rien, ils sont malheureux. Amen. On vient seulement pour les arranger, pour arranger les foules, pour les mettre dans la joie. On les fait danser. Et puis après ça, elle va à la maison avec ses enfants, il n'a pas à manger. Le pauvre, il quitte ici. On ne lui donne même pas même les moyens de pouvoir sortir de sa pauvreté, de sa misère. On dit non, tu iras au ciel. Maman qui n'est pas au ciel, là, il vit sur la terre. C'est quand il va manger. On a adressé tout le pouvoir au monde. Le monde a tout le pouvoir. Maintenant, c'est nous, on va se mettre à la terre maintenant pour demander. Non, on fait ça, on fait ça. On a laissé le monde prendre le pouvoir. Alors que c'est à nous que le pouvoir était donné. Amen. Ceux qui s'appuient le plus mal, quand on dit parmi les églises, c'est les chrétiens évangéliques. Va voir dimanche à l'église. Tu vois qu'ils sont pauvres. Les jeunes gens, tout le monde vient avec tapette zénith, chemise délavée, pantalon délavé. Ils sont moisis. Il a été quand il vient à l'église. Lui-même, il ne sait pas à cause Jésus, mais il n'a pas parti au paradis. Parce que la main, il souffre pas pendant que Jésus parle dans le monde. Il parle de venir bouteur. Il parle de vendre drogue. Il parle de vendre des choses mauvaises. Il va aller braquer. Mais Dieu fait que sa foi est ferme. Et malgré sa situation de pauvreté, là, il demeure dans le Seigneur. On prie que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Si tu es dans cette situation-là, je t'encourage à demeurer ferme dans la foi du Seigneur. Malgré tes épreuves et tes difficultés. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin à cause de ta persévérance. Même si ceux de ta maison ne veulent pas t'aider. Même si ton église ne veut pas t'aider. Dieu mettra des personnes ou quelqu'un devant sur ton chemin et qui va relever ta tête. Dieu dit, il aura toujours des pauvres dans le pays, afin que ceux qui sont riches puissent prendre soin de Dieu. Combien de personnes prennent soin des pauvres? Dans l'église, il y a des milliardaires, il y a des pasteurs qui sont milliardaires, mais il y a des gens qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui n'ont rien. Amen. Oh mon frère, écoute-moi bien ce matin. Donc Dieu veut que toi tu puisses atteindre le haut niveau. Faut dire amen. La volonté de Dieu que tu puisses atteindre l'excellence dans ce que tu fais. Ce que tu fais, ce que tu vends, le travail que tu fais, que tu entreprends. Dieu veut que tu sois le sommet. Tu sois parmi ceux qui font le même métier que toi. Dieu veut que ce soit pas le patron. Même si tu n'es pas le patron, que tu sois avec les plus grands en haut. Amen. Faut pas être avec ceux qui sont en bas. Amen. Les sous-traitants. Toi, tu dois être le propriétaire, puis tu n'as pas déjà ton ministre sous-traité pour toi. Et toi qui dois avoir des marchés. Et puis toi prendre d'autres personnes venir sous-traiter dans le marché là pour toi aussi. Amen. C'est comme ça. Tu dois avoir les numéros des grandes personnes. De ceux qui ont réussi dans ton domaine là. Je vais t'expliquer ça après. Tu vas voir ce qu'il y a. Homme frère. Tu dois savoir une chose. On n'atteint pas l'excellence par hasard. Hein. Ceux qui ont réussi dans leur domaine, ceux qui ont excellé dans leur domaine, ceux qui ont atteint le haut niveau dans leur domaine de travail ou de ministère, ce n'est pas un hasard. Hein. Non, 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 ce n'est pas par hasard qu'on arrive là-bas. Ça ne tombe pas du sol de comprendre. Hein. Ce n'est pas une agenda qui s'est trouvée sur le plus. Jamais. On ne devient pas, on n'atteint pas le haut niveau par hasard. Tu t'es promené quand tu es parti tomber dans 50 milliards. Qu'est un voleur. Amen. Toi, tu as marché quand dans la rue d'Abidjan, tu es parti tomber. Si 50 négos d'or, qu'est un voleur. Tu vas travailler. Amen. L'excellence n'est pas un hasard. On prie pas, puis on s'assoit, puis ça vient du ciel, puis ça comprend. Quand tu finis de prier, tu te lèves, tu demandes la sagesse et l'intelligence à Dieu dans ce que tu fais. Et puis tu vas t'amener vers cette intelligence, puis la sagesse. Et puis tu vas te lever, puis tu vas agir, puis tu vas mettre ça en application. Le paresseux ne peut pas atteindre l'excellence. Même le ministère pastoral, ce n'est pas fait pour les paresseux. Si tu es un fainéant, tu ne peux pas être un pasteur. Si tu es un pasteur, tu ne peux pas être un pasteur. Amen. Jamais. Amen. Un pasteur ne doit pas être un paresseux. C'est un batteur. Un batteur. Un battant du moins. Amen. C'est un guerrier. Amen. Si tu veux exceller dans ton domaine, tu dois faire ce que les autres n'ont pas fait. Amen. Écoute-moi, si tu as un métier, tu es mécanicien auto, et puis tu fais mécanique auto comme tout le monde, tu ne vas pas exceller. Tu dois faire des choses que d'autres garages ne font pas.
baptême d'excellence. Les gens croient qu'on devient, on atteint l'excellence, on atteint les hauts niveaux, on réussit comme ça par hasard. On dit non, j'ai promené comme ça, bien qu'il a réussi. On te rapatrie même si tu es en France. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Partout, on peut te rapatrier, ma tête, ce n'est pas par hasard. Et même pour aller dans ces pays-là, ce n'est pas comme ma tante, tu as quand tu as mis l'avion. On va te promener pas vers l'aéroport, et puis tu passes à prendre la porte, tu as acheté dans l'avion, et puis tu tombes là. Tu as fait passeport, tu as fait des papiers, tu as fait demande de visa, tu as marché quand tu es au fil. Tu as travaillé pour aller chercher ça, et quand tu as pu, tu es parti. Alors qu'arriver en France, ce n'est pas encore atteindre l'excellence. Parce qu'en France, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui ont faim là-bas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas manger. Donc, arriver en France ou les États-Unis ou le Canada, ce n'est pas encore l'excellence. Tu es arrivé dans un lieu qui était favorable. Et tu as compris. Tu es arrivé dans un lieu favorable à l'excellence. Où l'excellence est à ta portée. À portée de main. Ce n'est pas loin comme en Afrique. En Afrique noire, subsaharienne ici, l'excellence est loin de nous. Il faut courir 500 km avant de retrouver ça. Alors qu'un kilomètre partait d'excellence, ça demande assez d'efforts. Mais chez les Blancs, chez les Occidentaux, les gens courent, l'Afrique court vers là-bas. Parce que l'excellence, le haut niveau est à portée de main. Pour réussir là-bas, c'est plus facile qu'ici. Il faut dire amen. Amen. Sinon, arriver là-bas, tu n'as pas encore atteint l'excellence. Mais tu t'es approché de l'excellence. Maintenant, il faut la saisir. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas, ils ont fait 20 ans, ils ont fait 30 ans là-bas. Ils n'ont pas une seule cabane à piquer ici. Même pas cabane dans un village. Parce que c'est le show qui les intéresse là. Comment atteindre l'excellence? Dis à ton frère, comment atteindre l'excellence? Comment atteindre le haut niveau? Comment réussir dans ton domaine? Comment devenir grand dans ton domaine? Comment être connu dans ton domaine? Les deux versets 13. Et donc, verset 13, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dieu dit, je veux que tu sois la tête et non la queue. Que tu sois devant et non derrière, que tu sois en haut et non en bas. C'est ce que je veux pour toi. Que tu puisses atteindre l'excellence au haut niveau. Mais pour toi, enfant de Dieu, il faille d'abord que tu obéisses à la parole de Dieu. Et que tu mettes cette parole en quoi? En pratique. Mettre ta parole de Dieu en pratique, c'est faire exactement ce qui est écrit. Il ne faut pas aller faire ce qui n'est pas écrit. Il ne faut pas aller faire ce qui est contraire aux Écritures. Mais faire ce qui est écrit. Mettre ça en pratique. Marcher selon cette parole. Il faut atteindre l'excellence. Atteindre l'excellence, comme Dieu l'a dit. Il dit, lorsque tu obéiras au commandement de ton Dieu, quand je te prescris aujourd'hui, lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, lorsque tu observeras et mettras la parole de Dieu en pratique. Pour dire quoi? L'excellence même passe par des règles que Dieu a établies. Dans tous les domaines de la société, dans tout ce que tu veux faire, il y a des règles. Il faut les respecter, puis tu vas réussir. Tu es un chrétien. Tu veux être un chrétien qui appelle l'excellence, les perfections visibles de Dieu. Tu veux être un chrétien que Dieu estime beaucoup. Je n'ai pas dit les hommes, je n'ai pas dit les pasteurs, je n'ai pas dit la foule, je n'ai pas dit l'assemblée. Tu veux être un chrétien que Dieu approuve. Tu veux être un chrétien qui touche le cœur de Dieu. Tu veux être un chrétien qui est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Obéir la parole de Dieu. Mets en pratique la parole du Seigneur. Si quelqu'un se met sur ta route, si le Seigneur n'a pas écrasé comme caterpillar qui fait boudron. Mais les gens veulent vivre dans le péché, dans le désordre, dans le mal, dans ce qui est contraire à la parole de Dieu, et puis demander la protection de Dieu. Tu es un menteur, tu seras livré au diable. Satan va mettre son doigt là, tu vas faire sortir ton coco là, long comme mon bras. Un coco spirituel qui t'empêche de prier. Quand tu veux prier, secoue coco. On dirait corde. Si tu ne peux pas prier, il y a des chrétiens comme ça, le coco spirituel ne peut pas prier. Quand il veut prier, c'est fatigué. Là, c'est les chrétiens morts, deux fois morts déracinés. Il n'a plus sa place parmi les vivants. Il est mort.
atteindre les perfections visibles de Dieu? Tu veux que Dieu t'amène à atteindre l'excellence, les perfections? Tu veux que Dieu t'amène à exceller dans ton domaine, à réussir dans tes activités, dans ton travail? Commence à respecter la parole de Dieu. Commence à respecter les principes de la parole de toi, enfant de Dieu. Et puis toi, commence à respecter les principes établis dans la société dans laquelle tu vis. Et commence à respecter les lois et les principes qui sont régis par la loi du pays dans lequel tu es. Et tu verras que tu vas exceller. Il ne faut pas prendre un raccourci. Tous ceux qui prennent un raccourci sont des voleurs, des marmailleurs, des tricheurs. Les gens veulent tricher pour réussir. Quand tu triches pour réussir, ta vie est comme un château de cartes. Un petit ballon qui va s'écrouler. Parce que tu as signé un pacte avec le diable pour avoir l'excellence. Ça, c'est une excellence. Ça, c'est une excellence diabolique qui ne tiendra pas longtemps. En vrai, si tu obéis la parole de Dieu, en ne prenant pas des raccourcis, pour aller tricher, je te parie que tu vas atteindre l'excellence. Quelqu'un qui veut réussir son travail, il doit faire son travail avec sérieux. Amen. Avec sérieux. Avec diligence. Tu veux réussir dans tes activités, dans ton travail que tu fais, dans ton métier, prends ça au sérieux. Sinon, tu vas être comme tout le monde. Regarde, dans tous les corps de métier, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui excellent, il y a des gens qui ont atteint le haut niveau. Dans tous les corps de métier, il y a des gens comme ça. Je me rappelle qu'en 2005-2006, souvent quand je partais prier aussi, je marchais là. Et puis souvent, je passe par le bord de la ville, là, sur le boulevard de Marseille. Tu sais qu'au boulevard de Marseille, on atteint son libraire, tout le long comme ça. Là. Tu vas fuir jusqu'à vers ce libraire là. Il y avait souvent des munitions. Et puis il y avait en même temps ceux qui fabriquaient aussi les routins, les chefs à routins, les fauteuils à routins. Et puis il y avait des épénistes là-bas, tout ça. Moi j'ai été surpris un jour. Je crois bien que ça doit être un béninois. C'est un épéniste. Moi je le vois pour moi, je le vois, je vois son atelier, tout ça. Il fabrique les meubles et tout. Mais un jour, ce qui va me surprendre, je le vois dans une très belle voiture. Il me dit non, c'est la voiture. Parce que j'étais parti faire quelque chose vers là-bas. C'est là que j'ai un peu de viande. C'est sa voiture. Un ébéniste. Il fabrique les meubles. Les temps au bon. Comment elle dégage tout le monde. Et la plupart de tous ceux qui étaient là-bas, même ceux qui fabriquent les chaises en hôtel, ils étaient véhiculés. Ah, et puis là-bas, la petite voiture, hein. C'est pas fétiche. C'est pas médicament. C'est pas Zamou. C'est pas Zambriton. Ils ont pris leur travail là au sur lui. Amen. Je vous dis quelque chose. Amen. Il y a des gens qui font chaussures. Et puis il a l'argent. Amen. Ça dépend de comment lui fait ça. Si tu prends ton travail au sérieux, tu vends chaussures, mais tu n'as pas marché. Tu as voulu la voiture. Il faut dire amen. Même si tu vends la voiture, tu as voulu sur moto. En tout cas, tu seras bien. Et puis les gens vont t'envier. Dans tous les corps de métier, on peut exceller. Même si tu es un ramasseur, un précollecteur de poubelles, tu peux exceller dedans. Tu peux être précollecteur et puis devenir riche. Il suffit de prendre ton travail là au sérieux. C'est tout. Les gens ne prennent pas leur travail au sérieux. Les gens veulent tricher. Ou bien ils attendent que tout vienne des autres. Non. Pour monter société là, on n'a pas besoin de magie pour ça. Tout le monde peut monter une société. Tout le monde peut faire les papiers pour monter une société. Bon Dieu merci dans l'église ici, il peut monter une société pour toi. Tu viens le voir, il va te dire tous les papiers qu'il faut. Il va t'aider. Tu vas monter société encore reconnue par l'État de Côte d'Ivoire avec tous tes papiers. Et puis tu vas fonctionner avec ça. Et puis tu vas voir si tu ne vas pas réussir. Je ne dis pas qu'il
a réussi. Mais je lui ai dit, où tu es parti là, c'est pour apprendre à travailler, à faire. Quand tu seras formé, quand tu auras la connaissance de ce que tu vas apprendre auprès de tes patrons, là, tout ce que tu vas apprendre, et puis Dieu merci, tu pourras aller sur le terrain. Homme frère, il n'y a pas trop parlé. C'est pas tout on dit. Même si aujourd'hui, on lui dit qu'il faut qu'il laisse ce travail-là. Ah, si tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas manquer d'argent. Je m'excuse. Hein. C'est qui gagne même par mois, ça dépasse son salaire qu'on lui paye. Amen. Il est là-bas parce que c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Il veut partir, il dit ne bouge pas. Attends le temps. Le Dieu qui t'amène là-bas, quand son temps va arriver, il faut partir. Mais ne bouge pas. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise de partir. Oh, il va permettre une circonstance pour que tu partes. On ne part pas parce qu'il faut partir. Il faut partir quand le temps de Dieu t'est arrivé. Amen. Il a monté son entreprise, il est chef d'entreprise, mais qui c'est qui est chef d'entreprise? Il ne se montre pas. Un durable ne se montre pas. Dieu lui a dit, il faut que tu deviennes durable. Tu es trop courbe, tu es trop doucement. Il faut devenir durable. Le durable, il prospère, il devient riche et puis tu le vois, il vient à tout le monde comme ça. Mais lui, tu vas prendre grave. Où il est arrivé, on ne peut plus l'attraper. L'excellence. L'excellence aime la discrétion. Ça ne parle pas beaucoup. Amen. C'est comme ça. Un matin, tu vas t'élever. On va te dire non. Ah, c'est en tout cas, elle a dit immeuble à Cocody. 50 immeubles partout là-bas. Tout son cadre, elle a chassé tout le monde là-bas. Et puis après, vous faites citer. Et puis, il a mis ma maison au milieu. Amen. Et puis, là, ta maison aussi à côté de moi. Amen. C'est nous notre cité maintenant, tout bien dit. On chasse tout le monde pas en Cocody. Amen. Ça, c'est cité de tout un chrétien qui parle de Bijan. Amen. Ça peut arriver. Amen. Mais, il faut cultiver l'excellence. Il faut prendre ton travail là au sérieux. Il y a des gens qui ont fait les choses négligemment. Tu ne peux pas atteindre l'excellence. Je vous l'ai dit qu'on n'atteint pas l'excellence par hasard. Amen. On n'atteint pas le haut niveau par hasard. Jamais de la vie. Là, dans le soleil, il n'y a pas de hasard. On travaille. On travaille pour arriver là-bas. Amen. On va nos frères, tu vois, ils travaillent. Amen. Travail dur. Travail dur. Mais nous, là-bas, c'est des paris. Tout le monde veut s'asseoir dans le bureau. Il n'y a pas dans le bureau. Il n'y a rien dans le bureau. Le bureau, c'est salaire. Amen. Pas de quoi un salaire. Amen. On te paye 500 euros, ça te fait quoi? Les gens n'ont même pas de projet d'avenir. Ils ne peuvent même pas, ils veulent même pas entreprendre. Nous, frères, tu vois. Plus de 90% de ceux qui ont entrepris, ils ne savent même pas dire « Ah ». Ils ont entrepris. Amen. Se sont jetés dedans, ils ont réussi. Mais là, ils embauchent des gens qui ont bac plus 7, doctorat, tout et tout. Ils viennent travailler pour eux. Un analphabète qui paye quelqu'un qui a fait de longues études, qui a réussi, qui a atteint l'excellence, qui a atteint le haut niveau. Vous croyez qu'atteindre le haut niveau là, c'est un diplôme? C'est pas un diplôme, hein? C'est le travail sérieux. Ce que tu sais faire là, prends ça au sérieux. Tu vas voir que tu vas réussir. Mais les gens ne veulent pas. Et puis ils veulent réussir. Dieu dit, lui veut que toi tu sois la tête. Pas tu dis non, Dieu, je ne veux pas être la tête, je veux être que. Espèce de que. Dieu dit, je veux que tu sois devant, pas dire non, toi tu vas être derrière. Espèce de derrière. Fiche-nous la paix. Nous, on veut être devant. Nous, on ne veut pas être derrière. On habite dans son auto ici. Je brûle. Il y a beaucoup de temples. Il y a beaucoup de mosquées. Nous, on dit, on veut bâtir notre temple. Quand on dit non, nous, on fait un temple simple. Je ne fais pas simple. Amen. Ma foi n'est pas simple. Amen. Ma foi est divine. Elle est extraordinaire. Amen. Ma foi est une foi qui aime l'excellence. Amen. On va bâtir un temple aussi qui n'est pas dans ce retour là. Amen. Nous, on fait ça comme l'église méthodiste. Vous ne le faites pas comme l'église méthodiste. C'est qu'on doit faire. On doit faire ça au haut niveau. Le haut niveau. Ne me demande pas où l'argent va sortir. Où l'argent va sortir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais une chose. J'ai une vision. Et ma vision, c'est l'excellence. Si quelqu'un rentre dans ce retour là, on dit ah, on veut une église. On doit dire ah, non, l'église qui est bâtie à trois niveaux là, c'est ça que je veux qu'on dise. Et puis on sait que dans son retour, il n'y a pas église à trois niveaux. Non, on fait à trois niveaux. C'est ça l'excellence. Maintenant, les gens, non, on fait tout le monde, on fait petit comme tout le monde, on fait pas petit comme tout le monde. Espèce de queue, espèce de derrière, espèce de l'homme qui en bat. Faut pas le suivre. Quitte ta foi morte là, on veut pas cette foi là. On a une foi audacieuse, une foi vivante, une
quand il vient de s'élever, tu vas ordonner, ça va arriver. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité, un peuple à trois niveaux. Est-ce que le Seigneur t'a dit que si tu as l'argent, si tu as ceci, cela, tu as ça, ça, ça. Il dit si tu as la foi, nous on a cette foi. Nous on a cette foi. Ceux qui n'ont pas cette foi, ils n'ont qu'à fermer la bouche. Parce que si tu parles ta bouche, ta langue risque d'être paralysée. Une paralysie doit attraper ta bouche. Une paralysie faciale. Soit ça va partir comme ça, partir comme ça. Ferme-la. Et puis il faut nous suivre parce que tu as une queue. Tais-toi. C'est la tête qui commande le reste du corps. C'est pas le corps qui commande la tête. Tout est centralisé ici. Donc nous sommes une tête. Si tu ne peux pas faire ta tête, il faut laisser tranquille. Reste en bas. Sois en bas de nos pieds. On prend la machine à porte-porte avec toi. Mais nous, jamais. Amen. C'est pas que c'est par la tête que le reste du corps vit. Amen. Les gens ne veulent pas atteindre l'excellence. Ils ne veulent pas atteindre le haut niveau. Pour atteindre le haut niveau, il faut travailler. Il faut se battre. Il faut lutter. On ne s'assoit pas. On ne dort pas. Tu cherches toujours comment faire pour atteindre. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 5, 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, Paul parle aux Corinthiens, dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. Qui n'a pas la grâce de Dieu en lui? Tous nous avons la grâce de Dieu en nous comme Paul. Mais Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Il parle de qui? Il parle de tous les autres apôtres. Paul dit, c'est pas on, c'est pas en deuil. Il dit, lui, à travers que tous les autres apôtres. Mais elle, c'est pas visible. Il a écrit plus que tous. Il a travaillé plus que tous. Il était l'apôtre des païens. Pendant ce temps, tous les 11 autres apôtres étaient l'apôtre concernant en Israël. Lui était l'apôtre des païens. Les païens sont 10 fois, 1000 fois plus nombreux que le peuple d'Israël. Et Paul dit, je travaille plus que tous. Il a bâti des églises partout. Il a parcouru des villes, des campagnes à pied. Plusieurs fois, il était naufragé. Plusieurs fois, ils ont battu des verges. À la fin de ses jours, ils ont coupé sa tête. Paul dit avant tout ça, j'ai travaillé plus que tous. Vous croyez qu'on atteint l'excellence sans travailler? Les gens veulent s'asseoir là et puis travailler à la carte de l'audition, eux vont prendre. Ils ne veulent pas faire travailler leurs idées, ils n'ont pas un esprit de création, de faire. Il faut travailler plus que tout le monde et puis tu verras que tu vas atteindre le haut niveau. Bah, tu veux travailler au même niveau comme tout le monde, mais tu seras comme tout le monde. Tu seras comme tout le monde. Alléluia. Diacologie, excuse-moi. Il y a pas d'exemple sur toi. Mais il y a beaucoup de phénomènes à commencer ici. Mais c'est pas tous les phénomènes qui ont battu. C'est pas tous les phénomènes qui ont battu. Vrai ou faux? C'est pas tous qui ont battu. C'est pionnier 1 qui a battu. Mais c'est parce qu'il travaille avec diligence. C'est parce qu'il prend son travail là au sérieux. Mais apparemment, quand tu regardes là, tu vois même pas le travail de pionnier. Tu vois pas. C'est qu'il faut. Le pionnier, ça va le travail là. Est-ce que les gens fabriquent beaucoup de choses à faire? Même si on travaille, même si on ne fabrique pas beaucoup. Lui, il a mené pas son travail là au sérieux là. C'est qu'il va faire qu'il va aller chercher des marchés. Là où le il va aller chercher ça. Jusqu'à aujourd'hui, il a sa voiture. Quand on va l'appeler Fiat. Ou toi, tu vas chercher mon nom, tu vas lutter plus sur un taxi là. Il a pris sa voiture, paf, il est parti. C'est encore plus d'économie. Si la mec a donné 5000 francs, il va tourner bien à Abidjan. Alors que toi, tu ne peux pas. Et toi, tu as 5000 là. Tu vas passer ton temps après le Woro Woro. Tu vas pas dans le Woro Woro. 5000 là, ça a fini. Mais quand tu as fait ici, Coco, tu as tenu 800. Ici, Coco va tenir 1200. Aller-retour 4000, c'est près de 2000 et quelques là-bas. Aller-retour encore, film, c'est fini. Alors que lui, il a mis camion 5000 francs, il est parti. Il va, il ne peut pas pour ça qu'il est venu. Le soir, il vient gars. Maintenant, il va quoi, et puis tu viens pas avec ça. Faut dire amen. Mais c'est ça. Amen. Les gens travaillent dur. Il faut travailler plus que les autres.
Tu n'as travaillé qu'à 1 million. Tu n'as pas dépassé 1 million. Il faut travailler plus que celui qui travaille pour 1 million. Il faut travailler plus que lui. Il y avait un moment où Boru souvent il roulait tricycle. Et tout ce monde a commencé à connaître Boru. On dit, ah, il y a un petit là, il roule bien. Quand il prend tricycle, il n'est pas pressé, il roule bien avec toi tout le temps. Donc tout le monde attend Boru. Moi-même, la même soirée, quand il me fait au quatrième, j'attends Boru. Il y a mon fils, et mon fils de Béou. Il dit, non, j'arrive le vieux. Et il me dit, viens, me chercher, je ne vais pas aller roulait tricycle. Pourquoi? Il roulait bien. Il ne ramasse pas les gens. Il ne fait pas cascadeur. Il y a des enfants qui fument trop. Ou bien il y a plein qui m'appousse là. Ou bien il y a plein de Kayao. Et nous, il faut le voir. C'est quoi? Et moi, je te vois rouler comme ça. Même si je vais acheter tricycle pour toi, je ne vais pas le faire. Parce que toi, tu gardes la moto. On va pas lever 1 million, 200, 1 million, 300 pour payer ça. Toi, tu vas aller rouler comme un âne, un idiot. Tu vas gâter ça. Alors que toi tu vas manger dedans, le profiteur va manger dedans. Mais si tu prends bien soin de ça, toi tu vas manger, le profiteur va manger. Et puis un jour, à force de bien travailler, les gens du quartier vont te connaître. Tout le monde attend ton tricycle. Tu n'as pas besoin de faire là, quand tu es dans le rond, on te fait signe, quitte le rond. Et puis tu sors du rond, tu vas sortir de la vie, tu prends de la vie, tu vas. Pourquoi? Parce que tu es une personne qui conduit bien. Tu amènes les personnes à destination en sécurité et puis avec respect. Et bien, hey, mon vieux, on va mettre un pays, il n'est pas un sauvage. Tes yeux sont toujours clairs, bien peignés, comme mon fils Gizo. Toujours souriant avec toi, il rit avec toi. Quand il crie, il ne va pas avoir un client. Si on a des clients, si tu arrives à commencer 10 fois quand même, on monte le cadeau. On a été déposé, c'est ton bonus. Eh, son cœur est mort. Les vendus de choses, il a été drogué. Il va te donner un bonus. Toi-même, si tu as donné un bonus, il va te prendre. Hey. Il faut travailler dur. Il faut faire ce que les autres ne font pas. Et puis tu feras que tu vas exceller dans ce que tu fais. Amen. C'est qu'il faut savoir comment atteindre l'excellence. Tu veux réussir dans ce que tu fais, il faut accepter d'être humble. Va apprendre au pied des pères, ceux qui t'ont dévancé là. Faut que tu voulais aller apprendre à leurs pieds. On apprend au pied de quelqu'un qui a réussi pour réussir. Faut jamais aller apprendre au pied de quelqu'un qui a échoué. Tu vas échouer. L'échec a-t-il l'échec? La réussite a-t-il la réussite? L'excellence a-t-il l'excellence? Il faut accepter d'aller apprendre au pied des pères, des dévanciers, de ceux qui ont fait avant toi, ceux qui connaissent que toi, il n'y a pas orgueil de gars. On apprend toujours. Amen. Si tu fais preuve d'humilité, tu vas devenir grand. Amen. On apprend toujours au pied des aînés. Quand il voit souvent les jeunes pasteurs enseignent n'importe quoi, ils voient qu'ils sont arrivés. On est rien, tu vaux rien. Viens, on va t'appeler comme on pêche. C'est comme on dit. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut appeler pour demander. Ah, je ne comprends pas ici là. Ah, le père, il faut m'expliquer. Et puis il va t'interpeller. Il ne faut pas te faire malin. Non, mais il faut que tu ne pas. Tu ne vas pas appeler pour demander. Tu es orgueilleux. Tu ne vas jamais atteindre l'excellence. Tu ne vas pas mis l'église. Mais tu vas enseigner la fausse doctrine. Tu vas enseigner des doctrines pernicieuses. Tu vas enseigner des conneries. Les enfants qui abandonnent leur père sont des enfants maudits. Amen. On n'abandonne jamais son père. Jamais. Non. On apprend au pied des aînés. On apprend au pied des pères. On apprend. Les enfants, non seulement ils abandonnent leur père, et puis ils vont parler mal du père. La malédiction chez toi. La malédiction chez toi. C'est pas quelqu'un te maudit. Mais il est dans Hébreux, dans Éphésiens 6:1. Honore ton père et ta mère. Toi, tu vas t'asseoir, tu les dénigres. Tu vas t'asseoir, tu parles mal de ton père, de ton aîné, celui qui t'a dévancé, celui qui t'a appris à faire ce que t'as fait cela. Tu as mal parlé de lui. Toi-même, la leçon dit que honore ton père et ta mère. Tu vas vivre longtemps, tu auras béni de ta mère. Toi, tu les déshonores, tu les calomnies, tu les médis, tu les diffames, tu salis les noms. Dieu-même là, il te regarde comme tu as maudit. Il y a des gens qui sont ingrats dans la vie.
tu vas les apprendre à faire quelque chose. Demain, ils vont réussir, ce n'est pas être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est quoi? Et donc, si tu ne veux pas dire merci, il faut reconnaître que c'est lui-même qui t'a appris à faire ça. Reconnais. Et puis, il ne faut pas garder son nom. Il ne faut pas parler mal de lui. Là, quelqu'un peut mal parler de ton père, de ta mère, mais pas toi, son enfant. Si tu le fais, tu es un fils maudit. Tu es une fille maudite. Ça ne se fait pas. Ce que les gens ne peuvent pas les demander là, ne peuvent pas demander à ton père ou à ta mère. Toi, tu peux être capable de leur demander ça. Ah, voilà ce que j'ai appris. Oh. Le père, c'est comment? La mère, c'est comment? C'est comme ça qu'on demande. On ne s'assoit pas avec les autres pour raconter des ragots, la fumisterie, la calomnie, des mensonges. Parfois, quelqu'un a dit, ceux qui vous quittent là, vont parler mal de vous. Quand quelqu'un te quitte, il va parler mal de toi. Pourquoi il va lui parler de toi? Non. Une femme qui quitte un homme, elle va lui parler mal de ce homme-là. Un homme qui quitte une femme, il va lui parler mal de cette femme-là. Depuis quand tu as vu deux personnes qui sont divorcées, et puis vous allez dire le bon nom de l'autre, ça n'existe pas. Je ne m'entends pas. Ton meilleur ami, vous étiez ensemble, et puis un matin, il t'a quitté. Quand il a bien parlé de toi, il va aller mal parler de toi. On n'a pas dit qu'il a enfargé. On dit qu'il t'a quitté. Il a mis division toujours, il va pas. Il est parti. Il ne va jamais dire ton bon nom. Jamais. Donc ceux qui souvent quittent les églises, et puis ils vont ailleurs, ne croyez pas qu'ils vont bien parler du pasteur, ils sont quittés. Ils vont pas bien parler de l'église, ils sont quittés. Ils vont parler mal du pasteur, des anciens, des diacres, des appelés. Ils vont parler mal des chrétiens. Ils vont parler mal de vous, ils vont dire vous êtes ruinés. Si vous connaissez des gens de cette église qui sont partis, allez causer avec eux. Ils ne vont jamais dire mon bon nom. Amen. Mais quand vous allez demander de le pasteur à faire quoi que ce soit, ils ne vont jamais te dire, voilà le péché qu'il a fait, voilà le péché qu'il a fait. Il n'y en a pas. Ils ne vont pas trouver aussi. Ils ne vont pas trouver aussi. Peut-être que la chose qui va te dire, non, il est trop dur. Mais il y a quelqu'un de plus dur que Jésus. Il faut que tu sois dans le travail que tu fais. Je suis sérieux dans mon travail. Il ne faut pas permettre aux gens de venir faire de l'église un lieu de prostitution, de dandouya, de bordellerie. Jamais. Amen. Tu veux faire ta bordellerie, il faut faire ça dehors. Amen. Tu veux aller, tu veux la salle et puis tu veux chercher un garçon, va chercher ton garçon dehors. Mais si on t'attrape, il y a des paroles, ton nom, ton vrai nom. Amen. Tu vois les petits filles sont assis, sont allés, je vois même les gars. Bon petit gars, vous bécotez dehors. Je déclare au nom de Jésus. Hey, tu dois le bécoter. Et puis ta bouche, on colle à sa bouche. Pas. Mais là comme ça, Bécoli là, vous ne pouvez pas vous séparer. Tu peux partir à la maison, tu peux partir à la maison. Bécoli. Ta langue est attachée à sa langue. Connais de bouche. Faut te souvenir que c'est moi qui ai parlé de ça. Tant qu'on ne peut pas me chercher, ça ne se décolle pas. Et puis moi, je vais me chercher. Donc c'est ça. C'est ça. Et ta langue sale, langue de serpent, langue fourchue. Et puis devant tout le monde, on a appelé être héros au film, bien dit, on a décollé, puis ça a été comme. Et puis ça va arriver à quelqu'un. Si ça ne va pas arriver à quelqu'un, ils ne vont pas laisser cesser de sortir de leur langue de Panana, leur langue de Placaria à Copel. Tu prends ta bouche, pas mettre ta bouche de quelqu'un. C'est ton mari. C'est ton mari. C'est ton mari. Tu vois sa bouche là-bas entre les lèvres de Jourmadelle. Quand tu as attrapé ça. Mais s'il fallait ses lèvres sont jaunes, ses lèvres sont violées, ses lèvres sont rouges, roses. Ton Dieu, on est chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église. Tu es une païenne. Tu es un mondain dans l'église. C'est ça que je te dis. Vous les chrétiens qui avez les gars dehors, vous êtes des païens, vous êtes des mondains dans l'église. Vous les jeunes qui avez des copines dehors, vous êtes des mondains dans l'église. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes les chrétiens floco, vous n'avez jamais atteint la perfection de Dieu. Vous êtes des sauvages, des sorciers des églises. C'est vous qui gâtez le nom des églises avec les pasteurs marmailleurs, bandits, vagabonds, escrocs, voleurs, les pasteurs adultérés qui cherchent des filles à l'église, cherchent des femmes partout, partout. Dieu est la foi. Bientôt la malédiction sera sur eux. Qui ne se répandent pas. Je suis là, je parle comme ça. Elles vont se lever, c'est pour vous. Elles vont aller vers les garçons. Mon gars,
c'est mon gars, c'est mon petit ami. Je te vois. Va te déshabiller devant les gens. Va me caresser tes fesses. Va me caresser tes fesses. Tes fesses qui vont te donner l'argent. Pourquoi une fois offrande, c'est pas une fois d'initié. Offrande plus digne de fesses. Mais je ne veux pas ça. Monsieur, tu travailleras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit sueur de fesses ou bien cuisse. Il dit front, front. Front, c'est pas fesse. Fesse, ça ne s'est pas collé sur le visage. Fesse, c'est derrière. C'est pour s'asseoir là-dessus. C'est pour gagner pour s'asseoir. Et puis, aller au point, pour bien s'asseoir. On va dire, tu vas t'asseoir pour ensuite le PC. Ça calme bien. Puis, tu es défaite. Quand tu apprends sueur de l'argent de fesses, venu me donner, je déclare. Comme quelqu'un a dit, tu es un seigneur, mange ça. Tu es un seigneur, mange. Mange cette dîme là, mange cette offrande, c'est pas pour moi. Soyez humble. Et vous allez faire des découvertes dans l'exercice de votre travail, dans l'exercice de votre ministère. Faites preuve d'humilité, allez vers les aînés, les devanciers, les pères, ceux qui ont appris avant vous, ceux qui ont réussi un domaine avant vous. Allez apprendre. Ne cesse pas d'apprendre, ne finis pas d'apprendre. Choisissez l'excellence. Maintenant, si tu sais lire aussi, il y a des gens qui ont réussi avant toi, ils ont écrit des livres. Va prendre ces livres, la folie. Il y a des cassettes audio, ou des CD audio, tu peux aller payer, tu vas écouter. Il y a des CD vidéo, tu peux aller payer, tu vas mettre à toi, tu vas écouter un peu. Comment ils ont réussi en ton domaine? Si les gens ont réussi en ferronnerie, en menuiserie, dans les affaires de pièces détachées, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour réussir dans ce domaine-là? Ils ont écrit des livres, souvent ils ont écrit, ils ont envoyé des messages audio. Tu vas mettre plus de foutre. Comment on fabrique ça? On ne cesse pas d'apprendre. Apprenez au pied de ceux qui vous ont défoncé. Alléluia. C'est important. C'est important. Mais il faut être humble pour le faire. Il faut être humble. Un frère pour terminer. L'excellence est à notre portée. Il nous suffit un peu d'effort de la tête. Un peu d'effort. Paul dit, efforce-toi. Efforce-toi. Pour faire des efforts. Efforce-toi. 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 Combien de personnes veulent faire des efforts? Elle n'a pas assez. Il est là 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi. Tant qu'il n'a pas fait les efforts, tu vas pas faire l'excellence. Efforce-toi. Toi, tu ne veux pas te forcer. Tu ne veux pas faire plus que les autres. Et puis toi, tu veux réussir plus que les autres. Tu mens, tu ne vas pas réussir. Tu vas rester au même niveau que tout le monde. À la queue. Pourtant, Dieu a dit, lui veut que toi, tu sois à la tête. Il veut que tu sois devant. Il veut que tu sois en haut. Et puis toi, tu dis non, non, non. Toi, tu veux être queue. Toi, tu veux être derrière. Toi, tu veux être en bas. Toi, tu es quelle façon de personne? C'est que tu ne cultives pas en toi l'excellence. Tu vends des pièces détachées, comme Aristide. Commence à vendre des pièces détachées rares, qui ne sont pas, qui n'est pas beaucoup sur le passé. Ce qu'on ne demande pas beaucoup là, commence à vendre ça. Amen. Et puis ceux qui ont des voitures, qui ont des pièces rares, diront que nous, il y a quelqu'un là, lui, c'est sa spécialité là. C'est les pièces qu'on ne trouve pas. Si tu as pas que tu n'as pas trouvé, c'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus encore d'accord du bois. Tu commences à vendre des pièces rares. Amen. Il faut regarder les joueurs. Ils font spécialité. On est des médecins. Celui-là, lui va spécialement amortisseur, c'est amortisseur. Tout amortisseur que tu as, pas celui-là. Celui-là, lui vend ciné-bloc, spécialité ciné-bloc. Celui-là, lui vend spécialement phare, c'est phare lui vend. Pourtant, ça va pas à l'école. Ça va pas à l'école. Ils ont appris ça de leur père. Dieu l'a venu commerçant. Ils ont appris ça de leurs ancêtres. Mais nous, on ne peut pas s'humilier par là. Le petit Djoula, quand il va à l'école, en vacances, ou bien quand il a congé, il est samedi là. Il ne suit pas pour aller faire métier. Mais nous, on ne veut pas. Nous, il faut apprendre le métier. Oh, métier, c'est la souffrance dedans. Mais il n'y a pas un métier où il y a souffrance dedans. Si tu travailles dur, tu vas réussir.
Et tu travailles, tu as réussi. Si mon enfant va être pasteur, mais il n'y a pas la personne qui soit pasteur, c'est pas tous les pasteurs qui souffrent. C'est pas tous les pasteurs qui n'ont pas à manger. C'est pas tous les pasteurs qui ont faim. Ceux qui ont faim, c'est leur temps d'épreuve. S'il n'a pas le temps de preuve, c'est que parce qu'il ne veut pas travailler. Là, tu veux donner plus fidèle dans la cabine à l'église. Tu ne veux pas prêcher la vraie parole de Dieu et puis tu veux que les gens craignent Dieu. Tu mens. Prêche la vraie parole de Dieu. Mets une équipe en place. Organise l'église. Travaille à cela. Prie. Intercède. Demande la sagesse à Dieu. Demande à Dieu de donner les paroles qu'il faut pour l'église, pour le peuple de Dieu. Quand ils vont écouter, leur cœur sera vivement touché. Quand ils vont partir, ils vont revenir. Ils ne pourront jamais te quitter. Amen. Quand tu auras fait, ils vont te donner à manger. Amen. Ils vont prendre soin de toi. Amen. Ton ministère sera prospère. Amen. Et ils seront bénis, toi tu seras béni. Amen. Et puis le ciel vous sera ouvert. Amen. Parce que tu travailles avec diligence et avec sérieux dans l'œuvre du ministère. Amen. Mais si toi tu me mets à prêcher comme tout le monde prêche, je ne fais rien d'extraordinaire. Mais quand je vais commencer à prêcher ce que Jésus-Christ prêche, je fais quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jésus est spécial. Les gens ont dit à Jésus, mais toi, tu ne prêches pas comme tout le monde. Il prêche comme ayant l'autorité. Donc on dit à Jésus, non mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et puis Jésus, quand il a envoyé les serviteurs, il dit quoi? Il dit, allez prêcher ce que je vous ai prêché. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, allez dire ce que vous voulez dire à haut et fort. Mais c'est ce que les gens font. Vos bandits qui se promènent en Afrique ici, là, vos bandits des pasteurs, là, Congolais, Nigériens, Ivoiriens, Burkinabés, plein, les sauvages là, Ghanéens, tout cela. Il y a plein de marmailleurs parmi eux, plein de voyous. Il y a plein de pasteurs escrocs. Ils vivent dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans l'escroquerie. C'est de ça qu'ils vivent. Et les gens les suivent. Et puis d'autres, c'est des beaux parleurs. Ils parlent tellement bien que toi, il en a vérité. Un menteur, il tord le sens vrai des Écritures. Il tord la vraie parole de Dieu pour raconter des bêtises aux gens. Et puis ils s'excellent dans le faux. Ils ont l'excellence dans le faux, l'excellence dans le mensonge, l'excellence dans le péché. Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. À cause de leur vie. Est-ce que toi tu veux imiter? Je ne vais jamais imiter un sauvage. Amen. Jamais. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui a une mauvaise vie. Amen. Un faux pasteur, il ne peut pas le suivre. Le moins pas collaborer ensemble. Quelqu'un qui n'enseigne pas la vraie parole de Dieu, je ne peux pas marcher avec lui. Je ne marche pas avec lui. Amen. Faut pas son image va se coller à moi. On donne les mêmes choses. On n'est pas la même chose. Moi, je vais prêcher ce que Jésus a dit de prêcher. Il n'y a pas prêché ce que quelqu'un d'autre a prêché. Pas ce que Jésus a dit à prêcher. Si ce que tu prêches, c'est celui qui prêche, Jésus a prêché, ça n'a pas aussi pour prêcher. Mais ce que tu prêches, s'il n'est pas écrit, tu fais une mauvaise interprétation, je ne prêcherai pas ça. Amen. Oui, les gens courent partout, partout. Les églises sont devenues maintenant des personnes de fétiches. Quand tu es dans les églises comme ça, il y a plein de petits bidons d'eau, ah voilà, partout comme ça, plein comme ça, partout. C'est debout comme sur la chair, ou bien les bidons d'huile là, une d'Israël, plein d'huile comme ça, versé, on fait alignement comme ça, d'huile. Ou bien tu rentres dans le bureau du pasteur, il y a des flacons d'huile comme ça, à dire superposé. Quand tu vas voir le pasteur pour la réception, il dit non, tu vois, c'est une donc tu as prié pour ça, béni, c'est à part. Normalement, le super, ma soeur, le père qui a le Seigneur m'a dit de vous donner ça, il faut 2 000 francs, on vous vend ça là. L'eau minérale, ah voilà, ça va payer 100 francs, 100 francs. Et non, ça c'est béni. Après, vous serez rentré dans l'église. Viens faire l'offrande de 100 000 francs, tu prends un bidon, tu vas boire. Dieu va t'ouvrir les portes. Est-ce que Dieu a dit, il faut boire, mais puis tu vas devenir, tu vas réussir. Donc, il faut boire l'eau pour étancher ta soif, c'est tout. On ne boit pas l'eau pour réussir. Hein. On travaille dur, et puis sérieux. Et puis on respecte les règles, la loi de Dieu et la loi qu'elles ont établie pour réussir ce qu'on fait. Lui, tu triches, tu es un salaud, tu es un voleur. Amen. Dieu te voit. Bravo. Deux, c'est 3 versets 10 pour terminer. Si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges pas non plus. Si tu ne veux pas travailler dans la Bible, tu ne veux pas manger. Celui qui ne veut pas travailler, pas, il va manger. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens qui veulent travailler, mais ils sont paresseux. Il y a des gens qui veulent travailler, mais ils ne mettent pas du sourire dans leur travail. Ça ne peut pas fonctionner.
Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça évolue. Il faut que les choses bougent, les lignes doivent bouger. Vous les jeunes devez être l'église de demain. Si on vous prêche des conneries, si on tapasse sur la sanctification, demain vous allez faire de l'église évangélique protestante de Côte d'Ivoire une église morte, une église de dépravation sexuelle, de débauche sexuelle, de bordellerie, une église de pédophiles, d'homosexuels, une église de jandula, une église de violence, d'escroquerie, de mensonges. Comme beaucoup essaient de le faire maintenant, il y a des faux pasteurs qui sont versés partout en Côte d'Ivoire. Ils sont là maintenant les faux prophètes. Ils font cérémonie à tout bout de l'air, à chaque arrêt. C'est des cérémonies, c'est des cérémonies, c'est des cérémonies. Ils font des cérémonies de temps, cérémonies de temps, cérémonies de temps, cérémonies de l'eau. On versit ta tête, on versit tes pieds, cérémonie de huile. Faut boire, faut te laver avec, faut te rincer avec, mettre dans tes oreilles, dans tes narines. Ils vont mettre ça. On vend toutes sortes d'huile maintenant. La foi a disparu. Toutes sortes d'eau maintenant. On fait tout pour mystifier les gens. On sait que l'Africain dans sa tête là, l'Africain aime les cérémonies. Donc on pense à pour vous emmerder, pour vous blaguer avec ça. Et puis quand il fait beaucoup de cérémonies, non là c'est un frère. Non mais il a la connaissance. Et quelle connaissance il a? C'est un voyou. Amen. Il est égaré. Si tu montres les cérémonies qu'ils font de gauche à droite partout, partout à bien ça. Quelles sont les cérémonies que Jésus a fait? Il y a trop de marmailles, trop de faux, trop de mensonges. Les gens jouent avec l'esprit des gens, ils mélangent quand même des gens. Surtout les femmes, elles sont faibles. Ils sont arrivés comme ça. Il a pris huile là. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a pris huile là. Il a mis sur mon front. Il a mis ça même en bas là. En bas là-bas. Il a dit, quand il va mettre ça, il va mettre un chaud là-bas, bête. Là. Il va mettre sa main là-bas, on va mettre un chaud là-bas. Attends, je vais prier. Il a prié là-bas, il va mettre sa main là-bas. Attends, il a prié pour là-bas. Parce que le Seigneur montre un démon qui est là-bas, sauvage. Un fils du diable. Non, j'ai vu un démon qui est venu s'asseoir sur tes fesses pendant qu'il priait pour toi. Mais chasse le démon. Il est en train de mettre mes six fesses là. Et puis il attrape tes fesses. Les fesses qui appartiennent à ton mari. Même s'il n'est pas marié à ton futur mari, il va attraper les fesses là. Bochon. Il ne sait pas que pour l'Africain le noir là, bochon de sa femme là, c'est sacré. Quelqu'un, un beau pasteur, avec mes six bochon de ma femme. Si il prend ça là, c'est pas paralysé. Il va comprendre que bochon là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une seule personne. Ça se passe pas. Les femmes aussi sont comme elles sont bêtes là. Non, c'est un vrai prophète. Il a dit tout ce qu'il a fait dans ma famille, elle a tout dit. Mais je vais dire en train de dire beaucoup. Les marabouts aussi font ça. Les prédicateurs aussi font ça. Qu'est-ce que vous êtes donc? Les gens voient les marabouts, vous voyez, ils prennent le nom de Jésus et puis ils prennent le fétiche, ils mettent dedans. J'ai été quelque part. Mais parce que quelque part, même si j'ai ton riche. Même dans ses frères, même pour le riche, pour venir, il y a un prix pour aller voir. Et ça va vous délivrer, ça va vous bénir. Et puis ça fait bonne rouge comme ça. Et dimanche matin, il dit, non, ça fait bonne rouge, ça fait le pasteur de la carte venir, ah, bonne rouge, je vais prier là-dessus. Et la seule qui veut voyager, on va mettre les sacs, les valises, là-bas, et puis bon, ça. Il est autant d'eux ici. Vous connaissez le pasteur où on a dit que vous avez trouvé tête de l'homme là-bas. L'homme, le chef qu'ils avaient tué à 100 filles, et puis on va déposer sa tête dans son église. Voilà, c'est lui dans son église, ça va au 32. Quand c'est votre nom, on tourne comme ça, on va atteindre la jambe, mais il y a une église comme ça. Elle a bien aimé. Donc, bien son nom, amen. C'est ça, vous aimez, les femmes là, c'est qu'elles aiment. Tu ne vas pas aller fou, soit chez ton corps, bien Rihanna. Vous pensez Rihanna? C'est une chanteuse américaine, elle a la jambe, mais elle s'est dit que c'est ça, elle a la faute, amen, quand même, dis amen, hein. Et elle ne fait jamais. Elle a la milliard, pas d'accord. Elle a la vie ici. Regarde, c'est comment? Miga, reçois ça au nom de Jésus. Pourquoi vous commandez ton mari en passion? Homme frère, écoutez-moi bien. Les gens ne veulent pas travailler dessus. Ils ne veulent pas mener du frère qui chrétien. Ils aiment la facilité dans l'église. Et ils vont voir les faux prophètes, les faux pasteurs. Tu vois, les voix, je le coupe en or. Des coupes dorées, c'est pas ça, non, des coupes dorées. C'est des cornes, c'est pas ces cornes de buffle, c'est des cornes de poids. On met lui là-dedans, fait fiou, mais ça c'est des rois. Est-ce que c'est des rois? Hey! Qu'est-ce qu'on va pas voir dans nos églises aujourd'hui? Nous, tu vois des chandeliers comme ça, chandeliers posés dans le camp. Mais chandeliers là-haut, moi je reçois la loi. Pourquoi les gens font des trucs comme ça? Tu vois les chandeliers là? Les chandeliers à cette branche là.
28, 16, 28, 48. Ça consomme tout ça dans le temps. C'est des rois. On peut prendre une là, c'est vrai pour moi. Il faut qu'on s'en aide encore. Oh, il faut me faire mettre dans une coupe en or. Oh, il faut mettre ça dans une génie. C'est quoi? Jusqu'à tout le monde impose les pieds dans ce pour prier. On a imposé mais un pied. Ah, mais jusqu'à maintenant, c'est un pied. Mais. C'est des démons bizarres. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous donne de quoi atteindre au haut niveau. Amen. Que nous donne de travailler durement dans l'œuvre du ministère. Amen. Que le Seigneur nous donne d'avancer toujours avec lui. Amen. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la puissance de Dieu vienne t'accompagner. Que le Seigneur t'amène à peine l'excellence dans ton travail. Amen. Et qu'en ce jour de faire le travail, le Seigneur te donne l'excellence dans ton travail. Amen. Que ce donne la réussite dans ton activité. De Dieu sur ta vie, dis Amen. On a dit merci au Seigneur pour sa bonne parole.